Hello les filles, donc on se retrouve pour une vidéo de mes achats soldes. Donc tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vais vous souhaiter une très bonne année 2016 à tous et à toutes. Je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais bon, je vous le redis là au cas où vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Donc là, c'est mes achats soldes, mais il faut savoir que cette année, enfin en janvier, il n'y aura pas énormément de soldes puisque j'ai fait un très très gros achat, ben, très très gros, non. C'est pas une maison non plus, mais donc j'ai acheté un ordinateur qui coûte 391 euros. Donc bon, c'est quand même, voilà. Donc du coup, budget des soldes, ben, il a diminué forcément. Et donc ben, je vais vous montrer l'ordinateur comme ça. Vous verrez ce que, enfin si vous voulez profiter du moment, quoi. Donc c'est un HP, donc il est énorme, hein, c'est un 17,3 pouces. Et donc bon, il est tout noir. À l'intérieur aussi, donc je vais vous montrer. Donc voilà, il est vraiment, donc il est tout noir. Et en fait, il coûtait 391 euros à Conforama. Il y a 1000 gigas de mémoire, soit 1 Téo, et 8 gigas de mémoire vive, donc de l'ordinateur. Et il était Windows 8,1. Et dès que j'ai allumé l'ordinateur, ils m'ont demandé si je voulais mettre Windows 10. Donc il est Windows 10. Donc si ça vous intéresse, voilà, 391 euros chez Conforama au lieu de 489. Donc, on sait jamais. Et donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer mes achats Kiabi et Decathlon. Et juste après, je fais une autre vidéo avec Undies, Kiko et l'incroyable. Voilà. Donc je commence avec Kiabi. Donc j'avais une carte cadeau que j'ai eu à Noël. Et je me suis pris ce gilet, donc Bordeaux en fait. Et c'est un gilet tout simple. Et j'ai pas en fait ce genre de gilet tout simple comme ça Bordeaux. Avec les petits boutons là. Et en fait, j'ai adoré, c'est la matière. C'est vraiment doux en fait. Je pense que c'est du coton. Enfin, je sais pas, mais. Ouais, il y a 40% de coton, mais il est vraiment très doux. Et donc, il coûtait 12 euros. Et je l'ai eu à moins 50. Donc 6 euros. Et il est long. Enfin, ouais. Et quand même assez long. Donc voilà pour ça. Il y a mon frère qui fait assistant. Il me passe les choses. Parce que sinon, ben, il y a trop de trucs. Donc vous avez compris. Ensuite, donc là on va passer dans la catégorie sport. Parce que avec mon chéri, on s'est mis à faire du sport. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc on court et la dernière fois, enfin quand il pleut, en fait, on fait de la muscu chez lui vu qu'il a tout ce qu'il faut. Et donc avec Kiabi, je me suis trouvé une veste, enfin oui c'est une veste. Et donc là vous verrez déjà elle est phosphorescente, donc c'est bien parce que nous on court le soir, donc voilà. Et donc là donc c'est rose le col, sinon là c'est bordeaux violet on va dire. Là vous avez encore du phosphorescent et ça se voit trop bien vidéo que c'est phosphorescent, c'est un truc de ouf. Donc là aussi vous avez une barre, donc c'est vraiment pas mal quand on court le soir. Et donc ce qu'il y a de bien aussi c'est qu'il y a des poches, voilà, et à l'intérieur, parce que en fait quand je fais du sport, moi j'aime pas prendre mon téléphone parce que j'ai l'impression d'être embarrassée, mais en fait il me faut quelque chose pour compter les kilomètres et tout, enfin ce qu'on fait. Et donc là il y a une poche comme ça et mon iPhone il rentre nickel dedans, donc voilà, c'est parfait. Et donc voilà, donc ça coûtait 20 euros, donc franchement, Kiabi, 20 euros pour ça, bon, je sais pas si je l'aurais acheté, mais là il était à 10 euros puisqu'il y avait moins 50%. Vous allez à Decathlon, je pense que pour 20 euros aussi vous avez quelque chose en marque quoi. Donc voilà, mais sinon elle est vraiment bien parce que bah, déjà les petites poches et le fluorescent, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc c'est tout pour Kiabi, il y avait pas. En fait, je trouve jamais, il me faut des jeans, enfin des pantalons, et il n'y a que dalle. Enfin, moi, je trouve que dalle. C'est des pantalons de mémé, donc voilà. Et sinon, les hauts, il y en a plein, 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 mais je commence à en avoir pas mal, donc je me calme là-dessus. On va passer. Tu peux me passer les baskets? Merci. On va passer à Décathlon. Donc, mes baskets commencent à avoir un trou. Je sais même pas s'ils sont là, par terre. Oui. Je vais vous les montrer comme ça. Elles viennent de Kiabi, mes anciennes baskets. Bon, je vais vous montrer. Deux aucune, c'est pas grave.
Donc en plus, ils sont sales puisque bon, j'ai été courir l'autre jour. Et donc, ils sont vraiment sales. C'est celles-ci, donc les roses et vertes. Et donc, elles sont en train de se craquer là. Et donc, voilà. Il m'en fallait des nouvelles et j'en ai pris à Decathlon. Donc, pareil, ils sont phosphorescents. Donc, ça, c'est trop bien. Donc, ils sont comme ceci. Et les semelles, elles sont trop belles. Bon, on s'en fout, mais c'est trop beau. Et donc, à la base, elles étaient à 15 euros. Je les ai eues à 10 euros. Et donc, ça, c'était hier. Et aujourd'hui, je retourne à Decathlon. Et j'arrive. Et là, ils disent vente privée, enfin, vente flash, je sais pas quoi. Toutes les chaussures à 5 euros. Enfin, il y avait un rayon, en fait. Tout à 5 euros. Et donc, celles-ci, elles étaient à 5 euros. Donc, j'aurais pu les avoir aujourd'hui à 5 euros. Mais bon. 10 euros déjà, c'est pas grand chose pour des baskets, donc voilà, je les ai pas encore essayées, mais bon, elles sont confortables, enfin je les ai essayées, mais j'ai pas encore couru, vous avez compris. Ensuite, ça n'a pas trop à voir avec le sport, mais bon, si quand même, des gants en fait, pareil, phosphorescents, je sais pas ce qu'ils ont, tout est phosphorescent en Décathlon. Bref, voilà, donc c'est les gants tactiles, voilà, les deux doigts là sont tactiles, et ça coûte 4,95 €. Et donc je les ai pris en bordeaux prune, voilà. Ensuite, alors de la même couleur, on va dire, c'est un legging de sport comme ceci, et c'est un pantacourt, je crois. Ouais, c'est un pantacourt slim. Et donc là, tout ce que je vais vous montrer maintenant, donc de chez Decathlon toujours. On est arrivé et il y avait une vente flash, pareil que pour les chaussures. Sauf que là, c'était important, donc avec des vêtements. Et tout à 1 euro. Donc ça, je l'ai eu à 1 euro. Donc le legging comme ça. En plus, je pars au ski au mois de février et c'est nickel pour mettre sous la combi de ski, quoi. Et donc, 1 euro. Que demander de mieux, franchement. Par contre, je connais pas les prix initial, donc je pense que ça doit être 15-20 euros quand même pour un legging chez Decathlon. C'est la marque Domios. Donc voilà, il n'y avait pas les prix initial. Je suis désolée. Ensuite, un truc trop... Enfin, un peu moche, on va dire. Mais en fait, ça sert vraiment beaucoup quand vous allez courir et qu'il pleut, en fait. Enfin, qu'il pleut pas non plus des cordes, sinon ça sert à rien d'aller courir. Mais c'est un kawaii, un coupe-vent, enfin, comme ce que vous voulez, en fait. Et il est rose. Et donc, tout ce qu'il y a de plus simple, même quand vous allez faire pêcher ou j'en sais rien, vous allez à moule ou j'en sais quoi, voilà quoi. Et donc, il est tout simple. Voilà, c'est rose à l'intérieur, il n'y a pas de capuche par contre, mais bon voilà. Et 1 euro toujours, donc il y avait une étiquette moins 40, mais bon, 1 euro. Pareil, je ne sais pas le prix de départ, donc je ne pourrais pas vous dire. Ensuite, toujours à 1 euro, un petit débardeur blanc, donc soit pour dormir ou même pour mettre sous hein, quelque chose qui est un peu transparent, bah c'est nickel. Donc toujours la marque Domios, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer trois pulls, enfin c'est des sweats je pense. Enfin voilà, c'est des pulls sweats, et donc c'est de la marque Domios, pareil 1 euro. Et donc, c'est marqué Make Fit Happen, voilà. Donc il est blanc, ouais, blanc cassé on va dire, avec les écritures bleues. Et donc voilà, donc toujours 1 euro. Et du coup, il y avait en 4 couleurs, il y avait blanc, non il y avait 5 couleurs, blanc, noir, gris, rose fuchsia et rose violet, enfin bordeaux quoi, bordeaux prune comme mes gants. Et donc j'ai pris le gris. Voilà, donc c'est pareil, c'est écrit en bleu. Et j'ai pris le comme mes gants couleur bordeaux prune. Et là, c'est écrit en rose. Donc voilà, c'est les trois mêmes. Ah non, c'est pas écrit pareil. J'avais même pas vu. C'est marqué Give Everything. Et l'autre, le gris, c'était marqué. C'est Mac aussi. C'est pareil. C'est comme le blanc, d'accord. Et lui, c'est pas pareil. Et donc, voilà. Je voulais prendre le noir. Et en fait, il faut savoir que quand il y a des ventes flash chez Decathlon, les gens, ils s'arrachent les trucs. En même temps, pour 1 euro, les gens, c'est normal qu'ils soient un peu fous dans leur tête. Et donc, voilà. Donc, ce qui fait que je voulais le prendre. Et puis après, j'ai dit non, j'en ai pris un. Et après,
J'ai vu qu'il y avait encore gris et tout. Je me suis dit 1 euro, franchement, même pour traîner ou pour dormir, enfin, quand vous avez froid, n'importe, même pour faire du sport quand il fait vraiment froid. Voilà, 1 euro. Et donc, ben, j'ai fini. Non, je vais vous montrer mon seul achat qui est hors sol, mais bon, voilà. C'est trop mignon en fait. C'est un petit hamburger. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous montre? Un petit hamburger pour les rongeurs, donc pour mon lapin, quoi. J'ai trouvé ça trop chou. Bon, il est un peu cassé, mais bon. Voilà. Ça coûtait 69 centimes chez JMT. Je crois que c'est ça. Oui. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous retrouve juste après pour ma vidéo haul Kiko qui. Non, Kiko Amidiz et l'incroyable. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et à tout de suite. Ciao!